Inspecteur, le ministère de la Justice requiert votre assistance. Les bulletins journaliers comporteront désormais une liste des trois criminels internationaux les plus recherchés. Contrôlez les visages des entrants et arrêtez immédiatement tout suspect. Gloire à la Sotska. Donc on va garder les suspects à droite. Ça, il faut se le mettre où vous pensez. Hein. Hop. Ça c'est les petits bulletins ingénieurs là. Ok. Premier client de la journée, hein. Petit client dans notre boutique qui n'est pas une. Fabien, s'il vous plaît, quel est le motif de votre voyage? Je viens rendre visite à mes proches. Durée du séjour de petites semaines. Une visite pendant 2 semaines. Ça c'est bon. Ok, bon, déjà on va faire. Voilà. On s'enjaille pas. Bon, déjà, alors clairement, là il y a du mytho là. Quoi? Ah non, en fait. C'était sa capuche. Bah, rip, j'étais trop à fond dans mon truc, mais c'était pas vrai. Autant pour moi. Cheveux foncés, 85 kg, ok. Alors, Dylan Gill, vous savez, dit c'est où? 9VD 3U 42 L4S, visite de semaine 16-12-82, ok. 17, ouais, on s'en fout, masculin. Grestin Est. Alors, je crois que c'est lui. Voilà. C'est un. Un méchant. Et c'est pas possible, vous regretterez, bah c'est ça. Il comprend pas lui. Au suivant. Quel est le motif de votre voyage? Je suis un émissaire diplomatique. Gabriella Teles, BCS7FUGF1K. Arstotska, ouais. Alors, on va regarder si c'est bien passe de la République. République. Cela me semble correct, vous n'êtes pas un criminel. Non, bah non. Attendez, on n'a pas regardé Boston. Oui, Boston, bah oui, c'est bon. Oula, je suis trop à fond aujourd'hui. Tac, taqué, approuvé, tac, tic, touc, touc, tic, tac, pif, pouf. Attendez, je réfléchis, non, il n'y a rien oublié. Ok. Ne trouvez pas l'ordre public. Au suivant. Allez, on enchaîne aujourd'hui, on est chaud. Papier, s'il vous plaît. Quel est le motif de votre voyage? Je suis en transit. Intéressant. Pendant 2 petites semaines, encore plus intéressant. Bon, vous n'avez pas de sceau, hein, ou comment ça se passe? Votre papier n'est pas un papier valide, là, hein. Vous ne comprenez pas? Eh bah, ben, tant pis pour vous, hein. Vous aviez qu'à pas faire un faux document. Enfin, vous, c'est juste un mec de la. De, genre le agent de la mairie là qui a oublié de faire son petit tampon, mais c'est pas grave. Ça nous fait de l'argent, on est déjà en prison. Papier, s'il vous plaît, allez. On va se calmer, vraiment, clairement, là, on va baisser un ton. On vient travailler, ok, pendant un an, ouais, travailler un an. On commence par ça. 1m83, 87 kg, moustache, 18, ouais. Ingénierie, tiens, intéressant. Alors, Nicolas Constantin. 1,84. Alors le saut. Bien sûr que c'est correct. Ensuite, Nicolas Constantin. A4AD7LFM5Q. Travail. Un an, on avait vu. Le 20-12-82, c'est bon. 17-9-84, c'est bon. Alors la Fédération Shinglenton, la Fédération Unie, il semble que c'est bon ça. Ouais. Il a de la gueule du passeport, ouais. Masculin, tu peux rechercher toi. Non. Ok, alors je vous permets de vous donner ce petit papier. Ouais, ils en bouffent. Vous pouvez y aller. Ne trouvez pas l'ordre public. Au suivant. Allez. Wesh cousin, comment ça va? Quel motif de ton voyage? Tu viens travailler pendant 60 jours. Expertise toi. Alors, tu viens travailler pour... Ouais, ok, alors. 1m91. Ouais, je pense. Cheveux courts et raides. C'est court et raide, ça, ou upset. Ouais. 19-12. Ok. Loïc Débris, expertise 1383. Le saut. Je connais pas les... En fait, si je regarde à chaque fois le saut,
En général, c'est parce que je ne connais pas les lettres. Je suis embêté, c'est bon. Oula, excusez-moi. Loïc Débrigny. TQFG AVTJEX. Travail de moi, c'est bon ça. Ouais. 26 12 82. MDA. C'est ça, MDA, j'en trouve. Ouais, c'est ça, c'est MDA, ministère des. Je sais pas, ça veut dire quoi. Mais... T'es pas là, toi, je peux regarder. 83, laisserait Nadine aux Républiques. Alors. Yes. C'est bon. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai l'honneur. Tu peux ordonner ça. J'ai l'honneur de vous autoriser à entrer dans notre grand pays qui est l'Astotska. Au suivant. Vous êtes recherché. Je crois. Oui, c'est clairement elle. Hein. Nous avons quelques questions à vous poser. C'est ça, bah. Va te faire. Voilà, excusez-moi pour. Le petit va te faire. C'était automatique. Au suivant, on n'accepte pas les criminels. Hello. Alors clairement lui, il peut pas avoir un passeport de deux pays différents, donc clairement on l'arrête. Il est quand même con lui. Hein. Au suivant. C'est une journée qui va être rentable je crois en termes de prisonniers. Là, je pense qu'il va me ramener la thune. Quel est le motif de votre voyage? Visite. Pendant 2 mois j'imagine. 8 semaines, c'est ça. 1m71, 56 kg, coupe au bol. Ouais, ça va être une coupe au bol ça. Ouais. 19-12, ouais. Stéphanie Lajowska. GJVVR7A9D4, visite de moi 28-12-82. Ok. Mergerous. Est-ce que ça s'écrit comme ça, Mergerous? Ouais. Mergerous en Obristan, c'est bien ça. 84, c'est sa tête, elle est pas là. Ouais. Allez. Ne te l'oublie pas l'autre de le public. Au suivant. Pas chercher toi, non. Quel est motif voyage? Pardon, j'ai fait un accent. Posté quoi comme accent, mais j'ai fait un accent. Passe, non, permis d'entrée. Mais bien sûr que c'est obligatoire, mademoiselle. Au suivant. C'est longue cette journée, tiens. Papier, s'il vous plaît. Quel est le motif de votre voyage? Vous êtes un émissaire diplomatique? Ok. Nourisham Hazik. Hazik J006P BPXR9 Arstotska. Ok, un port, attendez. Ah, c'est la fin. Quel dernier? Un port. Oui. Ah, bon, paradisnal, c'est un Arstotska, il nous mentit. Je ne comprends pas. Eh bien, vous avez falsifié votre document, monsieur. Je lis son nom. Hashim. Je sais plus. Bref, c'est la fin de journée. Alors, j'ai pas que ça à faire avec de m'occuper de gens qui falsifient les documents. So, your son is sick and. Ouais, bref, mon fils est malade et a besoin de médicaments. Mais apparemment, que la salle est disponible. Blablabla. Bien sûr, le bloc est disponible et ça, c'est pour une bonne inspection. Inspection, pardon. Ils ont faim, il est malade. Donc, pour la caisse de chauffage, j'aurais gagné 50 et je paye 25, 35, 45, 50. On reste stable, on ne déménage pas parce qu'on n'a pas de thune. Bref, bonne nuit.